Long before my own country was anything but a game preserve, Greece was the center of light and leadership for mankind. From that center, our own nations have inherited much of what we cherish today and what we mean to defend. The glory that was Greece remains. Indeed, in all the long history of that country, there is no more inspiring episode than the determined refusal of the Greek people in our own day to submit to Nazi or to communist tyranny. We welcome Greece to our membership in the person of her distinguished Vice Premier and Foreign Minister, bearer of an honored name, Mr. Sophocles Venizelos. The Republic of Turkey, too, joins our ranks at this council session. Turkey, the home and breeding place of sturdy citizens and courageous defenders of freedom, which has spread its influence far beyond its own territory. Turkey is on the right flank of our coalition, and great pressure has already been exerted by those whose aggressive moves we fear to frighten her from joining our line of defense. But the Turks do not frighten easily, as their valiant soldiers have shown once again in the forces of the United Nations in Korea, where they have covered themselves with glory. Turkey stands firm with us for peace and security. And so we welcome very warmly today, as a new member of our council, the representative of this resolute, stout-hearted people, Dr. Fuat Koprulu. Monsieur le Président, je vous remercie vivement des aimables paroles d'accueil que vous avez eues pour mon pays et pour moi-même, et je tiens une fois de plus à adresser à Monsieur le Représentant des 12 États fondateurs du traité de l'Atlantique du Nord les chaleureux remerciements du gouvernement royal hellénique pour l'invitation qui nous a été faite d'y adhérer. La Grèce est profondément heureuse de participer désormais à ce traité dont les principes et le but correspondent si exactement aux siens propres. Nous croyons, comme vous tous, à la nécessité de sauvegarder les libertés démocratiques et l'héritage commun de civilisation de nos peuples. Nous croyons à la possibilité de promouvoir la stabilité et le bien-être dans notre région. Et nous croyons tout aussi fermement que l'organisation d'un système de sécurité collective vraiment efficace constitue le meilleur moyen de préserver cette paix dans la justice et la liberté qui répond au plus ardent désir du peuple grec si durement éprouvé. La paix et les valeurs morales qui font notre raison de vivre. Et c'est dans cet esprit que nous avons accepté d'y adhérer. Qu'il me soit permis pour terminer de dire combien nous sommes heureux de participer pour la première fois aux travaux du Conseil dans cette capitale du Portugal, qui par sa longue et glorieuse histoire au service de l'humanité symbolise si bien notre civilisation commune. Et sous la présidence d'une personnalité qui par sa droiture et la profondeur de son esprit a su inspirer à tous une profonde estime.